Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue sur ce nouvel épisode de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. J'étais là en train de regarder un petit peu ce que je pouvais accomplir sur la carte qui ne vous intéresse pas forcément. Et j'ai fait ce hex de Sidon et regardez, il y a un nouveau truc. On peut appuyer deux fois sur le bouton directement X qui nous fait une nouvelle capacité. On testera ça? On testera ça. On va d'abord. Alors est-ce qu'on fait l'épreuve X recherche de la forêt ou. La libération du laboratoire. Je vais aller augmenter le niveau de Riju. D'abord, le niveau j'ai dit. Et du Urbosa, on n'a pas nécessairement besoin, mais. Voilà, je vais lui faire augmenter son niveau. Ça lui fait gagner des cœurs. Eh oui. On va la faire passer niveau 60. Et peut-être des armes pour Urbosa. Parce que c'est probablement elle qu'on va jouer. Putain, on a vraiment rien. On a vraiment pas d'armes, Urbosa. What the fuck? Alors, Urbosa. Allez, j'y vais. Avec toi, cimetière des 7 joyaux. Je peux la dérouiller, très bien. Et Riju. Je ferai preuve de détermination. Filer Gerudo. Ensemble, on va sauver tout le monde. Ensemble, on va sauver tout le monde. Filer les 7 joyaux. Et on va aller ici. Fusionner des armes. Alors, on va peut-être dérouiller déjà. Pour le robot, ça coûte combien? 225. Let's go. Ah, il faut mettre des matériaux. On va mettre du silex, hein. À moins que ça ait une importance sur ce. Je suis pas certain. Ouais, c'est pas ce qu'il nous manque, hein. Cimetière du clair de lune. C'est de la merde! Si, je pense que plus je mettais des trucs intéressants, ça me mettait. Non plus. C'est celle-là. On va lui mettre au moins un petit peu d'attaque, quoi. Très bien. Et Riju. Non, toujours pas. Ah putain. J'ai les sous ou pas? J'ai les sous. Let's go. On va pouvoir. La faire. Oh, elles sont que toutes les deux en plus. Plus de CF, plus de rubis, let's go. Ce n'est vraiment pas mauvais. Oui, Oui, c'est vraiment très beau. Très bon. Ah, il faut faire quoi? Émier au moins 1000 ennemis, 4 B, et on ne sait pas. On explore le souvenir. C'est parti. Au cœur du fléau, le laboratoire antique royal fut envahi par les monstres. Les chercheurs n'eurent d'autre alternative que de fuir. À la tête de leurs soldats, Urbosa et Riju se mirent en route pour libérer ce temple du savoir. Tout en affrontant des monstres portant des armes qu'ils avaient volées dans le laboratoire, les guerrières d'élite des Gerudo avançaient dans la vallée du néant. Mais les monstres n'étaient pas les seuls à les attendre. Ah merde, il y a des monstres qui ont volé des armes. C'est pas bon ça. Oui. Il faut éliminer ces monstres pour libérer le laboratoire antique. Ouah, la taille de la carte. Merde. Les troupes de défense semblent en difficulté. Grand Urbosa, allons d'abord les rejoindre. Ok, moi je suis là. Sauver les capitaines Ziliens. Ah non, on va plutôt aller là du coup. Hop. Oh la caméra, tu te mets pas sur elle, sérieux. Sur lui là. Alors le.
Madame Patricia est plus sympa. Mais Ridley, j'arrive vraiment pas à la jouer. Hein. Mais pourquoi tu ne le vises pas lui, sérieux? C'est horrible à contrôler ce machin. Fantastique, Ridley, quand je pense que tu es ma descendante, j'en ai des frissons. En fait, c'est plus efficace quand il y a plein de monstres, elle. Un ennemi, ça va pas. Hein. La la la, la la la. Le morceau de sable. Qui du coup peut aller sur terre. Hein. Cryonis. Bam. Allez, zoom, Madame Patricia. Ah oui. Elle invoque la foudre, elle, maintenant. Elle se protège avec le masque, là, le casque du tonnerre. Je savais pas qu'elle invoquait. Au revoir. Ah, en effet. Qu'est-ce que... Enfin, ça continue le laboratoire, on va... Mais non, pas le laboratoire. Tu n'es pas si pessimiste avec nous, vous pouvez y arriver. Vous ne servez à rien, donc laissez-nous faire. La map n'est pas nouvelle, du coup, on l'a déjà vu celle-là. Plus d'une fois d'ailleurs. Surtout avec les missions pour le gardien, là. Tu veux pas faire ton truc, là? Voilà. Comme ça, ça devrait aller. Boum. Vous pouvez encore bouger, je vous couvre. Vous combattons ensemble. Allez, Ordo, ça. Regarde-moi bien, Ridley. Si j'arrive à te voir, ça doit mal déjà. Comment elle se joue déjà? Ah, putain de... Putain d'archer de merde! Ah, putain, c'est pas possible, quoi. De me casser les pieds, par contre, c'est les archers là, je les ai bien tués. Par contre, boum, clac, dégagé, tout à fait, c'est une malchance. What the fuck, c'est quoi ça? C'est nouveau, c'est ça les armes spéciales, les ghouls. C'est assez comique. Dommage qu'il n'y ait pas Link. T'envoies un arc, ça les pète et puis voilà. Zut. Bon, il me saoule là. Il me saoule lui. La médiole n'est quand même pas si faible que ça. Bah, faut voir que si. Non. Nous allons montrer qu'on sait faire. Soldat, avancez avec les jaudos. Quoi, il y a encore des gens qui combattent à l'intérieur. Je peux pas y aller. Toi, tu vas là. Et toi, on doit aller là-bas. On redescend. Vous pouvez compter sur moi, Grand Urbosa. Vous pouvez compter sur moi, Grand Urbosa. Vroom. Plusieurs autres monstres apparaissent sur le champ de bataille. En effet. Faut que j'en combatte 1000 pour avoir un truc. Non, si c'est bon. Elle brave de tels dangers pour nous venir en aide. Bah, c'est un peu dans leur région que ça se fait attaquer aussi quand même. Donc elles ont intérêt à venir vous aider quand même. Ouais.
Pourquoi elle touche pas le... le lui? Ah, hop, ça dégage le sorcier Brasero. Vous n'êtes pas vieille, mais vous faites une chef épatante. En quoi les vieux, c'est des bons chefs? Ça n'a jamais été prouvé être bon. Hein. Bon, les jeunes non plus, cela dit. Ce sont des gigas. Eh bien, tout s'est déroulé comme prévu pendant que les monstres les attaquent. Eh oui. Oh, vous avez un U? En garde! Quoi, qu'est-ce que le gang des Gief ici? Ben surtout que... Donc ça se déroule avant... Ok. Ça se déroule avant que le gang des Giga nous ait rejoint, du coup. Ouais, que les gangs des Giga apparaissent, ce n'est vraiment pas le moment. Pourtant, ce n'est pas cohérent. Pourtant. Ah, tu as envie de te battre, mais c'est très important de ne pas retenir mes coups. Pourtant, c'est pas logique. J'ai envie de ne pas avoir vu que c'était un piège. Je vais les vaincre pour me faire pardonner. C'est pas normal ça, parce que si je m'en souviens bien, Zelda qui fait son discours sur la muraille de. C'est la muraille des limites. Et bien, c'est là où le grand Koga il se révèle et il prête allégeance. Et là, on n'a pas encore libéré les créatures divines. Et donc, si on n'a pas libéré les créatures divines. Sidon, Unobo et tout ça, ils sont pas venus. Donc il nous trahit en fait là. Le gang des gars nous retrahit. C'est ça le délire? Pourtant je peux encore jouer avec. Il est avec nous. C'est scandaleux là ce qui se passe. Ils ont fait quoi là? Scotance ou pas? Ouais, à la limite tu vois. Mais le grand Koga, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Bim badaboum. Ça dégage. Hop. Bon, lui se fait toujours éclater. C'est pas un adversaire très problématique en même temps. Ça n'a jamais été le cas. On espère que les mini-boss de Breath of the Wild 2 seront mieux d'ailleurs. Parce que lui c'est une vraie blague. Une vraie blague. Exactement. Boum. Certainement on va le tuer là non? Ok merci. Aimer le grand Koga avec Riju. Ah c'était donc ça. Plusieurs autres monstres apparaissent sur le champ de bataille. Et bien que... plus de monstres que j'aurais pensé, pas le choix, je vais remplir pour le moment. Le gang des Giga a battu en retraite. Réussi à chasser le gang des Giga, mais les monstres pullulent de plus en plus. C'est triste. Derrière de partout, séparons-nous pour contre-attaquer. Ouais, alors Redu, tu vas aller là de toute façon. On prend l'Urbosa. Bam. Ok. Bien sûr, les géodos nous ont sauvés. Maintenant, nous devons nous rendre utiles. Quand même. On est l'armée d'Irul, quoi. Nous attaquons par là-bas. Ouais. Et quand on agace Urbosa, on se prend la foudre sur la gueule. On peut se prendre ses foudres d'ailleurs. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. Vous avez le droit de rire, hein. Ils vous en valent pas? Bon, mais tant pis. Hein. Il était pas incroyable, je dois l'avouer. Hop, ça, ça dégage. Attendez, il y a. Il est là. Ouais. Boum bam 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 bam.
Bam, bim, bam, bim, 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 boum. Et ça dégage. Paf. Bon, les 1000 ennemis, on les bat pas là. Hein. On est pas en train de les tuer là. C'est peut-être l'endroit où on peut le faire. Ah ! C'est un linel. M'attendez pas à ça. Ça brûle là. Boum. Et hop. Un linel de foudre contre Urbosa, c'est peut-être pas le meilleur. Est-ce qu'il craint quand même la foudre ? Il craint quand même la foudre. Très bien. D'où il est ? Comment il est passé au travers ? Hop. Ça dégage. Ah non, il est pas mort. Sérieusement ? Mais le fout pas derrière lui. Tu sers à rien là. Bon. Je le tue là. Merci. Tu as la malchance de m'avoir face à toi. Hop. Bon, on va faire un A. On va essayer de tuer tout le monde là. C'est tout ? Saloperie. Je pensais que j'en aurais tué plus que ça. Ta 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 ta. Ok. Bon, ça c'est juste le X. Mais en fait dans les... c'est pas du tout. C'est incontrôlable dans les petits espaces ce truc, sérieux. Parce que je comprends bien ce qu'ils ont voulu faire mais... c'est incontrôlable. Avec cette bombe, je vais vous faire exploser. Boum. Il se fait éclater lui. Allez, joue. Allons-y, Madame Patricia. Fantastique, Rizou. Quand je pense que tu m'as descendant, entendez des frissons. Tu m'as déjà dit ça, Urbosa. Alzheimer commence. Bam, 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 bam. Normalement, je fais voilà la moitié. Hop. Elle tourne, cote. Et ça se fait éclater. Et normalement, je fais l'autre moitié ici. Ça dégage. Boum. Plusieurs autres monstres apparaissent sur le champ de bataille. Ben non. 3 sur 9. Ma merde, il joue. Retourne-y. Ah, c'est un moblin, très bien. Elle a un bouclier, elle, cela dit, je pourrais peut-être parer leur coup, non? Ah merde, j'ai fait un A. J'ai l'habitude sur Breath of the Wild, c'est le A de la parade, mais c'est pas un A qu'il fallait faire contre lui. My bad. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Oula, ça a l'air d'être un gros ça. Ouais, c'est un linel. Linel de glace, qui plus est. Par contre, il tape quoi exactement ? C'est inutile. C'est censé me faire mal. C'est tout ce dont vous êtes capable. Merde. Bon. Allez, brûlez ! Brûle dans la flotte, le con. Ok.
Et si je gelais tout ça? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est inutile. Que s'est-il passé? Allez, allez, brûle. Brûle, petit Lionel, brûle. Et boum. Prends-toi. Mais foudre! Vous avez... Maintenant vous rigolez. Parce que je l'ai refaite. Faites ce que vous voulez. Hein. Bam 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 bam. Ça dégage. On ne perdra pas ici, courage. Non, vous ne perdrez pas. Tant que je serai en vie. Vous pouvez compter sur moi, grandeur bossa. Oula. Il y a du monstre là. Mais il y avait des alliés aussi. What? Il y a deux capitaines pour deux moblins. Ok. Mais peut-être qu'avec Rijou, on préfère qu'il y en ait plusieurs. Bien, écrasons les ennemis sans plus tarder. Parce qu'on sait pas où tu tapes, mais tu tapes en fait, tu vois. Si j'utilise Cinétis. Exactement. Éclate-les les deux. Ah ouais, non mais... Elle fait ça, elle. C'est lequel? Est-ce que faut que je... Faut que je retienne parce que c'était puissant. Ok, explore en ligne, nous manquons le point d'en prendre la graine. Mais tu as une madame Patricia, toi? Non. Donc, tu peux pas faire ça. C'est tout. Encore? Mais il y en a combien? L'ennemi ne faiblit pas, mais nous non plus, nous ne pouvons pas reculer. Ok, 600. Encore 400 et on a les 1000. Et là vous faites... Waouh, quel génie! Il sait compter jusqu'à 1000. Et je vais vous donner une petite astuce, c'est super simple. 400, c'est comme si vous faites 4, vous voyez. Et puis après, si vous ajoutez 6... Pour aller à 1000, eh bien ça vous fait ça fait 10 en fait. 4 plus 6, 10, vous voyez. Du coup, c'est pareil. 400 plus 600, ça fait 1000, quoi. C'est vraiment un petit tips qu'il faut que je vous donne, comme ça. Ceux qui prennent ça au premier degré, là, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, je pense pas quand même. Je pense pas qu'il y en a un qui prendra ça au premier degré. Ou une d'ailleurs. Mais si tel est le cas, là c'est chaud. On peut plus rien pour vous. Hein. 700, très bien. Blam. On y arrive là. Nous sommes au top de la carte. Allez, on va faire un A parce que il y en a beaucoup. Et ça dégage. Ok, on lui a niqué la moitié de sa vie avant qu'il arrive. Nice. Bam bam bam. Ok. Alors ça n'a pas compté. Ok. Attendez, on a des pommes. Autant les utiliser. Puisque de toute façon, je crois qu'il y en avait une près de Rijou, justement. Boum, badaboum. Là, c'est les deux qui prennent. Paf. Tu as eu la magie. Oh.
Et c'est le deuxième, tu te prends la gueule. Vous êtes plutôt doué, vous aussi. Si on s'entraîne ensemble quand on sera rentré. Ah, avec plaisir, mais d'abord il va falloir sortir d'ici vivant. Ok, je les ai pas vus faire grand chose, mais disons qu'ils l'ont fait. Et si je gelais tout ça? Ok, je pouvais pas faire les deux d'un coup. Passons aux choses sérieuses. Niveau supérieur, incroyable. On a re-eu notre truc. Bam. Succès. Les mobiles d'argent apparaissent sur le champ de bataille. Encore ! Direct cette fois, ce sont les derniers. Encore un effort. On a combien là ? Grand Urbosa. Rien et personne ne peut vous vaincre. Nous vaincre. 868. Ça va pas du tout. Rien et personne ne peut nous vaincre. Se fait exécuter par un chouchou. Ok. On a loupé plein là-haut. Attendez, on va dire à Patricia d'aller là. Comme ça, on peut tuer les monstres. Tant qu'on tue ceux-là, nous. Aïe. Ah ben voilà, utilisez la foudre contre moi, c'est ce qu'elle a dit. J'aime bien la voix slam du coup. Lui il doit ressentir la même chose. Quoi, mais je suis un sorcier fulguro. Je ne crains pas la foudre. Et pourtant... Je t'ai bien fait niquer. Éblouissante comme toujours, Grand Urbosa. J'ai le cœur gonflé de courage. Très bien. Touloulou. Putain, ce bruitage, ça m'a fait penser au trailer de Breath of the Wild 2. Mais oui, à chaque fois j'en parle. Mais c'est logique, c'est trop bien. C'est normal que j'en parle. Pensez pas. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Comment j'y vais? Ah. Par là. Ne reprenez pas mon camp. Il est à moi. C'est compris ça? Là. Tant en attendant, on peut utiliser pour tuer ça. Hop. Je veux les 1000. Ok. Je me suis fait plutôt clair, non? Tintin. 939, 41. Plus que 60. Parfait. Plus que 50. Tintin. Ta-na-na. Da-da-da. On était deux et on a tué 1000 ennemis. De la chair à canon, je vous dis. Bon là, elle s'est plus contrôlée. C'est Madame Patricia. La dot là qui en respawn ou pas? Allez-y. Ouais, ouais, on farm un peu. Hein. C'est intéressant à valoir le coup. Les missions souvenirs. Là. Il m'en manque 12. Sur le chemin, je vais bien en trouver. Non, il n'y a pas un monstre là? Si, il y a forcément un monstre. Voilà, ils sont forcément là. Allez, finissons-en. 998.
bah ça va faire déjà avec cela 999. C'est tout ce dont vous êtes capable. Ah, c'est bon. On a eu les 1000. Le gardien se met en marche. Ah! Ça fait beaucoup. Mais merde. Ok. J'ai eu le temps de l'arrêter. Ce ne sont que des petits gardiens. C'est bizarre qu'il ait pas pété, qu'il ait pas perdu ses trucs. Hop. Bon, on va l'éclater du coup. Il a continué de tirer. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. C'est tout ce dont vous êtes capable. C'est censé me faire mal. Ah non, j'ai pas réussi à le. Bon. Déjà, j'ai pas pris les dégâts. Allez où? Au revoir. Allez, bon, on se battre en retraite. Nous avons réussi à reprendre le laboratoire. Il est où exactement le laboratoire? C'est ça là? Oui, lui on fait la force, hein, Medhiru, il a bien combattu elle aussi. C'est pas le laboratoire ça. Bon là il y a une cinématique hein. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, on a eu quoi? On a eu des trucs. Ah. Eh bien, tu maîtrises le masque du tonnerre à merveille. En tant que chef, c'est bien le moins qu'on puisse attendre de moi. Il est à moi. Ah bah non. Reste plus qu'à l'enfiler. Et maintenant, tes attaques de foudre ne me font même plus peur. Ah. Lol. Mais il y en a deux du coup, puisque est-ce qu'elle l'a ramené de chez lui, de chez elle plutôt? Mais comment? Comment ça se fait? Si tu penses qu'une vermine comme toi peut maîtriser ce masque, tu te mets le doigt dans l'œil. Eh ben oui. Croyez-moi, même si ça doit me prendre 100 ans, je finirai par vous le voler. Souvenez-vous bien de ça. Ok, donc c'était des traîtres en fait, dès le début. Mais on peut encore quand même le jouer, c'est bizarre. Mais oui, hein, si ça doit prendre 100 ans pour le voler, eh ben oui, tu y arriveras. Mais Riju, elle le sait qu'il l'a volé. Mais il le sait aussi qu'on l'a ramené. Et oui. Puisque nous savons que Riju, ça s'est déjà passé pour Yonobo. Bref. Je crois qu'ils se sont eux-mêmes, les développeurs, emmêlés avec la temporalité des événements. Mais c'est pas grave. Nous, on essaie d'y faire sens. Ah, il y a une autre mission qui s'est déverrouillée. C'est intéressant, ça. C'est laquelle? Ex, la retraite des Yiga. Ah, c'est ça. Ils se barrent. C'est les IA qui se barrent. Ok. Eh ben, on découvrira ça. On fera peut-être d'abord celle-là. On verra bien. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.